Good morning. Allez, Iden, le Jus, aujourd'hui le Lunishmat, nous avons dit Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Rosat Zohar Abat Sultana, ainsi que Lirfuat, Sarah Bat Betty Rivka et Refel Zulun ben Chayam, Alia Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, qui est le sacrement éternel, nous étudions un certain nombre de paris de Gimel Mishnah Dalet. Are Alai Zahav, Lo Ifrot, Midinar Zahav. Kesef, Lo Ifrot, Midinar Kesef. Nechoshet, ויפחות ממה הכסף. פירשתי ואין יודע מה פירשתי, הוא מביא עד שיאמר לו לכך נתכוונתי. On continue avec le sujet des vœux, celui qui fait un vœu. Pour rappel, la Torah a insisté que lo yachel devaro, tout ce que... La Torah, il y a toute une parashat des Nedarim dans Matot, à la fin de Vaikra. Il y a là-bas Matot Massé, plutôt, fin de Bamidbar plutôt. Et il y a là-bas une paracha qui explicite toute la paracha des vœux. Là-bas, on insiste sur quelque chose de très intéressant. C'est que si je veux faire un don, un vœu, mais que je ne l'exprime pas, je ne suis pas engagé par mon vœu. Il y a spécialement qu'il faut de garder, de préserver ce que l'on a exprimé que l'on va faire. Donc si je veux faire quelque chose, mais que je ne l'exprime pas, je ne suis pas engagé. Si je veux donner 1 million d'argent, je vais parler que je vais donner des shkalim. J'ai pas exprimé que j'allais donner des shkalim, que j'allais donner 1 million de shekels. J'ai exprimé que j'allais donner des shkalim. Combien ça implique? Au minimum 2. Il y a des... C'est vaste. Ouais. Et des fois, ça suffit de donner un peu. Dans la mesure où ça ne contradit pas, c'est assez complexe. On étudie ça essentiellement dans la Sechet Nedarim. Mais là, dans le dernier périple de Menachot, on parle par rapport aux vœux en rapport avec le Beth Amikdash. D'accord? Donc du coup, on a déjà évoqué plusieurs cas de figure, de toutes sortes de dons qu'on voudrait faire au Beth Amikdash, qu'est-ce que ça implique dans sa parole. Et puis à présent, il y a Are Alai Zahav, celui qui fait un don d'or. Je veux donner de l'or au Beth Amikdash. Je vais donner de l'or, je n'ai pas précisé combien. Qu'est-ce que ma parole a inclus? Une petite pièce d'or, un lingot d'or, une montre en or, une bague en or, je ne sais pas. Alors la Mishnah enseigne le Ifrot, mais Dinar Zahav, il n'apportera pas moins que un dinar zahav. Le dinar zahav, c'était la monnaie de référence de l'or, c'est-à-dire, il y avait des pièces en cuivre, des pièces en argent, des pièces en or, selon les achats qu'on voulait faire. Les maisons les achetaient avec quelques pièces d'or, et pas avec des brouettes de pièces d'argent ou de pièces de cuivre. Donc, pour les gros achats, il y avait de l'or. La première pièce d'or essentielle, je sais pas d'ailleurs si on avait plus, c'était la pièce de dinar zahav, un dinar d'or. La Gemara précise qu'on parle en réalité de quelqu'un qui a fait un don de donner des pièces d'or. Alors là, il devrait apporter un dinar zahav. Mais s'il a fait un don d'apporter de l'or sans préciser combien, eh bien peut-être qu'il devra apporter un morceau d'or conséquent. D'accord? Un nasra, je ne sais pas si c'est une mesure fixe. Nasra, dilma nasra de dava kama. Je ne sais pas combien, qu'est-ce que ça implique une nasra en fait. Est-ce qu'on parle d'un lingot, ou est-ce qu'on parle juste d'un morceau d'or qui était vendu au poids? Apparemment, je comprends que c'est plus comme ça, quoi, que c'était de l'or à l'état brut, un minimum qui était commercialisé, qui était vendu en or au poids, quoi, j'imagine. D'accord, mais par contre, parce qu'il a précisé des pièces, alors il est engagé par la plus petite des pièces. Sinon, ça aurait été même moins que ça. Ensuite, Kesef, lo ifrot midinar Kesef. S'il a fait un don d'argent, mais pas d'argent pour acheter, d'argent de matériaux, le matériau d'argent. Alors, lo ifrot midinar Kesef, de nouveau, il devra apporter pas moins que un dinar de Kesef, pas moins que un dinar d'argent. De nouveau, on parle qu'il a dit qu'il allait apporter des pièces d'argent. Des pièces d'argent, et alors là, il y a une précision très importante dans la Gemara, on parle d'un endroit où il n'y avait pas de sous-mesure. Parce qu'il y avait, et bien sûr, c'est comme à notre époque. Aujourd'hui on a un système monétaire un peu différent, mais en tout cas à l'époque, il y avait le dinar Zahav, mais il y avait aussi des pièces plus petites, le dinar Kesef, mais il y a des pièces plus petites aussi qui étaient encore en Kesef, en argent. D'accord? Et on part en fait dans un endroit où il y avait la pièce minimum d'argent, c'était le dinar Kesef. Ensuite, on a une nechochette, lo ifrot mima'a Kesef. S'il a fait un don d'apporter du cuivre, il ne devra apporter moins, il devra pas apporter moins que la valeur de une ma'a de Kesef. Pour rappeler des pièces d'époque. C'est la dinar ma'a, pundion isar. Donc on avait celle à dinar ma'a, la ma'a kesef. Il y a sous elle, et les coefficients c'était dovev, sadam po dovev. C'est la dinar ma'a, pundion isar. Et sous le isar, il y avait le huitième, c'était la petite pièce de cuivre. Donc ça veut dire qu'on va avoir x2 x2, puisque c'est dovev, 4, 6, 2, 2.
Donc ça nous fait 4 fois 8, 32. Donc une Mac SF, ça fait 32 prototes. Si tu as dit que tu allais faire un nombre de nechochettes de pièces de cuivre, tu devras apporter cette fois-ci l'équivalent de une Mac SF, 32 pièces. Il y a Rabbi Weger qui apporte une question que Tosot soulève dans Shabbat. Pourquoi tellement? Pourquoi on dirait on se contenterait pas d'une petite pièce de cuivre? Et il ne répond pas. D'accord? On continue maintenant. Perashi veneudera perashti, ou mevi achiyo marlo le karknit kavanti. Si il dit maintenant, j'ai précisé que j'allais faire un nom, mais je ne me souviens plus. Combien j'aurais dit? 20, 18, 26, 32, 72, 720, 555, 5555, je ne sais plus combien de dons j'ai fait. Et bien dans ce cas-là, on va lui dire quoi? On va dire, mais écoute, mon cher ami, tu sais plus combien t'as dit? T'es obligé de t'acquitter de ton devoir, parce que à la tzad que tu t'es engagé, tu es obligé de quitter ton devoir. Tu dois apporter le maximum d'argent jusqu'à ce que tu vas dire non, l'on écarte ni de cavatique, tu diras là, cette fois-ci, c'est beaucoup trop. Chacun selon ses limites. Je sais pas, moi, si moi, dans mes limites, quand je veux acheter une mitzvah à la Beth Knesset, je peux monter jusqu'à 250. Pour les mitzvot exceptionnelles, 500, 600, 800, je commence à me sentir un petit peu. 1000, c'est impossible que je dépasse les 1000, ça va pas, j'ai pas les moyens. Je dois donner à manger aux enfants. Alors quoi? Alors maintenant, moi, on va dire, bah, tu sais quoi, tu t'arrêteras à 1000 pour toi, c'est là ta quantité. Donc, hu mevi, donc, perashti, venyodara perashi, j'ai explicité, mais je ne sais plus combien j'ai explicité. Hu mevi, ache yomar, lo lekart nit kavanti, il apportera jusqu'à qu'il dira, non, cette fois-ci, je me suis pas engagé à tellement. Il devra réfléchir combien et faire monter la barre jusqu'à qu'il dise, cette fois-ci, là, c'est sûr que ça, je l'ai pas fait. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.